Donc, je m'appelle Léa Stébel, je suis principalement formatrice sur le français langue étrangère, sur l'OFI ou les savoirs. Et j'ai également fait de la remise à niveau français mathématiques sur le CAC à l'époque. Alors, cette mission de conceptrice, ça consiste à la réalisation de ressources numériques qui sont importées au fur et à mesure sur la plateforme LMS pour que les stagiaires puissent les utiliser en autonomie, que ce soit en présentiel ou en FOAD. En général, c'est de la leçon et des exercices qui vont avec. Alors, ce qui est vraiment très agréable, c'est qu'on a une liberté de création, puisque c'est nous qui scénarisons et qui produisons après toutes les ressources que vous pouvez trouver sur la plateforme. Mais on fait ça avec un échange d'idées, puisqu'on a des réunions mensuelles avec le groupe de conception. Et on est très accompagné, que ce soit par notre référente, que par le labo, qui nous aide aussi pour la création des ressources un peu spécifiques qu'on a moins l'habitude d'utiliser. Moi, j'ai vraiment enrichi mes pratiques, que ce soit en créant des Geniali, des Potoons, des vidéos. Et même en tant que formatrice, maintenant, j'ai assez confiance pour prendre la main et faire des vidéos avec mes groupes, même aux filles. Là, je vais passer le cap de faire mes premières vidéos et c'est tout nouveau. Et je pense que je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas pris le temps de me poser dessus, sur la conception, et d'être formée, parce qu'on a aussi des réunions où on se regroupe et où on a fait par exemple un point sur les vidéos, les créations, les montages, etc. Et c'est hyper formateur. Ça se forme avec « ne pas » des deux côtés du verbe conjugué, comme si c'était le verbe « le ne » au milieu du verbe. Alors, dans notre groupe de conception remise à niveau français, on a fait le choix de faire des entrées thématiques qui auront plusieurs niveaux de difficulté dans la même entrée, mais aussi des catégories qui seront peut-être vocabulaire, grammaire. Et on a pris le parti de créer pour l'instant principalement pour des petits niveaux de français, puisqu'on a vu que c'était là où manquait le plus les ressources. Donc, dès maintenant, vous pouvez trouver sur la plateforme LMS, dans la remise à niveau français, une ressource pour apprendre à lire un planning qui tourne autour de l'association sportive, mais qui marche aussi pour le planning de formation, pour les niveaux de français qui ont du mal avec ça. On a aussi toute une thématique sur l'invitation, répondre à une invitation, refuser une invitation. Une thématique sur postuler à une offre d'emploi. Et va bientôt arriver aussi toute une thématique sur se déplacer, les consignes, l'impératif, etc.